aujourd'hui, je suis en déplacement sur la commune de Neuvy-sur-Loire. Nous avons échangé avec les élus, eh bien, sur les projets de la commune, sur leurs difficultés, sur leurs interrogations sur le budget, et puis aussi sur leur école qui a eu une classe fermée l'année dernière et qui a besoin, voilà, malgré de gros travaux, de pouvoir continuer à exister. Il faut qu'on encourage nos communes à conserver leurs écoles, surtout quand on est Ah dans oui, tout un à l'heure, bourg les comme à élus. Neuvy où il y a tous les commerces. Nous avons également été à la scierie Beauvois, une belle entreprise familiale implantée depuis les années 80 à Neuvy, qui fabrique du bois, notamment pour les tonneaux, et qui également fabrique du bois de chauffage et des plaquettes, et qui regrette malheureusement que ces plaquettes ne soient pas bien distribuées dans le territoire, puisque les chaufferies nivernaises ne font pas appel à eux, ce qui est quand même dommage. Il faut vraiment qu'on fasse tourner nos entreprises nivernaises quand on le peut. Donc j'appelle bien entendu toutes les chaufferies nivernaises à faire appel au bois nivernais. Et puis nous avons terminé par la ferme Perrot, ferme qui a vu ses produits laitiers récompensés par des médailles au dernier salon de l'agriculture et qui sont amplement mérités. Après dégustation, je vous le confirme. Vous pouvez bien entendu retrouver ces produits un peu partout dans le territoire puisque ils ont des lieux de distribution. Et là aussi, il faut faire fonctionner nos territoires. Donc une belle commune avec beaucoup de commerces, une belle commune bien avec des travaux, des élus très engagés à découvrir sans modération.